je sculpte justement des corps féminins. Et je trouvais intéressant de transposer la création d'Adam en version féminine. Voilà, c'est un petit jeu pour moi, c'est de faire ce parallèle entre Dieu et la femme. Voilà, donc cette sculpture s'appelle Olympia. J'ai été inspirée donc par le tableau de Michel-Ange, la création d'Adam. Donc j'ai repris le mouvement de Dieu avec son bras tendu, son index pointé. Et en même temps, l'attitude d'Adam avec son bras comme ça. Je lui ai mis une coiffe, j'ai supprimé les cheveux justement pour alléger la silhouette. Et j'ai décoré cette coiffe avec des arabesques, qui est un motif qu'on retrouve justement dans les sculptures, dans les peintures à Bali, en Asie. Et sur sa coiffe, j'ai posé une grenade qui est aussi un symbole de force dans la mythologie justement asiatique, et je l'ai peinte en doré parce que c'est une couleur qui est un peu divine.